presentar les conclusions del seminari. Vull en primer lloc excusar la presència del gerent del Consell Comarcal, el senyor Ignasi Valls, que per qüestions personals no ha pogut venir, i per tant jo miraré de substituir-lo en la presentació de les conclusions en nom del Consell Comarcal. I vull començar saludant les autoritats que ens acompanyen. En primer lloc el senyor Josep Llobet, vicepresident tercer i delegat de l'àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el senyor Salvador Jorba, que com a delegat territorial del Govern de la Generalitat de Barcelona, i l'excel·lentíssim conseller, el senyor Josep Maria Pelegrí, com a conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. I també, evidentment, vull saludar la persona que m'ha acompanyat a la taula, la Bàrbara López, que és la responsable financera del programa MED, així com evidentment, a tots vosaltres. Gràcies per haver vingut, per haver participat i contribuït en aquest seminari, perquè gràcies a això podem presentar unes conclusions tan positives com les que crec que tots plegats presentarem. Em plau especialment tenir l'ocasió d'adreçar-me a vosaltres a aquestes paraules, perquè intentaré recollir les sensacions que s'han derivat de les diverses intervencions dels assistents, i només voldré dibuixar algunes línies generals del que els socis d'aquest projecte pensem que podria marcar el nostre camí futur després de la finalització d'aquest projecte. Des del projecte rural crec que hem de destacar, primer de tot, la importància del concepte dels sistemes agroalimentaris locals que va llançar el Comitè de les Regions de la Unió Europea i que el Consell Comarcal, en aquest cas, ha apadrinat i queda perfectament recollida en la Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària. Considerem que ens permet dibuixar un model òptim de desenvolupament local i dissenyar polítiques públiques orientades a tres conceptes: valoritzar, reforçar i visibilitzar. Valoritzar el potencial local dels territoris europeus i especialment dels territoris mediterranis i periurbans com són els nostres. Reforçar la interacció entre els consumidors i els productors i la creació de relacions de confiança i interdependència. I finalment, visibilitzar el paper tan important que juga l'agricultura periurbana i la petita pagesia en el model territorial de les zones de les segones corones metropolitanes dels països europeus. La senyora Leni Dwarhuis ho va dir molt clar ahir al matí durant la seva presentació: cal reforçar aquests sistemes alimentaris locals a Europa, com ja ho estem fent, però arreu. La comparació que ens va presentar és molt evident: el 80% de la producció mundial es fa en el marc de sistemes alimentaris locals, mentre que a Europa aquesta xifra només arriba al 20%. Cal reforçar aquest concepte perquè representa molts beneficis. Posa l'èmfasi al territori i a les seves tradicions agrícoles i culinàries, a la sostenibilitat i al respecte mediambiental, al desenvolupament local mitjançant la generació d'ocupació no deslocalitzable, i sobretot cal reforçar els sistemes agroalimentaris locals perquè introdueixen nocions de democràcia alimentària o governança de la cadena alimentària, que també en diem. I és la que els actors de la societat civil tenen un paper molt important a jugar. Aquesta governança, un terme clau durant la jornada i que també queda recollida tant a la carta com ha traspuat tota l'elaboració del projecte rural, és el que regeix també aquestes sessions i, per tant, com he dit, el contingut de la carta. I crec que el DVD que s'ha pogut conèixer i s'ha donat a conèixer, així queda ben recollit. De governança, les relacions virtuoses entre els diferents actors que intervenen en la cadena alimentària esdevé per nosaltres un concepte bàsic, sobretot tenint en compte els reptes que afronta l'agricultura europea, reptes econòmics, ambientals i territorials. El meu amic i company Ricard Ramon també ho va dir molt clar: Europa no pot deixar de produir. Ara som conscients d'això i cal prendre les mesures necessàries per donar suport a l'agricultura europea, sobretot l'agricultura que promou valors verds, l'agricultura de proximitat, de qualitat i sostenible, que promou la seguretat alimentària però també la democràcia alimentària. Com hem pogut conèixer precisament per Ramon, la nova política agrícola comunitària va per aquest camí i això ens dona ànims i confiança per continuar en aquest camí. Dintre d'aquesta perspectiva, la territorialització de les polítiques agrícoles esdevé una prioritat, tal com ho és la renovació de les intervencions públiques en matèria d'agricultura cap a noves formes de decisió o codecisió que acompanyen les renovades dinàmiques sectorials i les demandes socials i responen als reptes productius,
el medi ambient, la qualitat del producte, el paper dels espais agraris, etc. Calen polítiques que defensen el territori i que protegeixen contra l'organització devoradora i que valoritzen el producte de proximitat, perquè posen en evidència la multifuncionalitat agrària, que, com molt bé ha mencionat la Lourdes Viladomiu, estan tenyides del paper social, mediambiental i econòmic que té l'agricultura periurbana. Ara és el moment per donar suport a iniciatives d'aquest tipus, que tracten les diferents vessants, producció, distribució, comercialització fins al consumidor, i en aquest procés hem d'estar tots, ciutadans, províncies, regions, estats, la Unió Europea, però també els productors organitzats, els grups de consum solidaris, els ciutadans i, en definitiva, tots els actors implicats en el procés. És per això que parlar de governança territorial i alimentària, tal com ho fa la carta del projecte rural, és avui dia una necessitat social i política, però també econòmica, una demanda clara dels actors privats i dels ciutadans. Això ho hem vist i ho veiem diàriament en projectes com el rural, on la col·laboració público-privada i de la societat civil ha estat el principal mecanisme i factor d'èxit de les accions pilot. La confiança que es va generar és la garantia de continuïtat d'aquest treball que hem començat. El llibre recopilatori de les bones pràctiques identificades que avui us hem presentat és molt explicatiu d'aquesta forma de treballar plegats i d'involucrar el màxim d'actors agroalimentaris possible, d'implicar aquests actors en la presa de decisions i en la definició de les actuacions prioritàries. I nosaltres ens quedem amb això, amb la lliçó més important d'aquest projecte, un projecte de caràcter transversal, multidisciplinari, multinivell i transnacional. Aquesta experiència de treball col·laboratiu en tots els seus nivells, en el territori com també a nivell transnacional, la volem capitalitzar. Volem donar-la a conèixer i transferir-la a altres territoris i xarxes europees que estan treballant cap a la mateixa direcció que nosaltres. I hem vist durant aquest seminari que aquest tema genera molt interès. Hi ha molts territoris que estan treballant cap a aquest camí, ara mateix ho veiem a la taula que acaba de finalitzar. I no només a Europa, també fora d'Europa. Hem de ser aliats i aliats importants a l'hora de promoure els principis i valors d'aquesta Carta Europea i transferir les línies estratègiques del model de desenvolupament local que promou el projecte rural. Estic convençut que aquest seminari ens ha ajudat a tots a veure molt més clara la necessitat de continuar treballant cap a un sistema agroalimentari local i sostenible, i ens ajudarà a trobar aliats i futures col·laboracions per fer arribar aquesta proposta de model alimentari a més territoris europeus periurbans. Des del Consell Comarcal del Vallès Oriental, quan vam assumir la responsabilitat de liderar aquest projecte, érem molt conscients que era un gran repte. Però avui crec que podem afirmar que ha valgut la pena. Així, us convidem, com ho hem fet durant tot el projecte i avui especialment, a conèixer millor aquest projecte, els qui no el coneixeu prou, que de fet aquí hi ha gent que el coneix molt bé. Però us convidem a aprofundir-hi, a indagar en els productes explicatius del rural. Entre ells, les propostes metodològiques, bones pràctiques, fulletons informatius i a revisar en detall el contingut de la Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària. Estic segur que entre tots i totes, els territoris europeus aquí present, les xarxes transnacionals, les institucions universitàries, els sindicats agrícoles i els pagesos organitzats, els actors privats i els associatius, els consumidors, però també la restauració col·lectiva, tots els implicats, podem fer d'aquesta carta una referència europea de desenvolupament i model de territori. Nosaltres, els socis del projecte, ja hem agafat el compromís i per tant ens comprometem a continuar-lo desenvolupant. I és amb aquest últim element que em vull quedar, amb el compromís que com a Consell Comarcal hem pres de continuar desenvolupant el contingut d'aquesta carta al nostre territori i mirar d'exportar-lo arreu. Gràcies per la vostra atenció. Bonjour, je suis ici en representació du secrétariat en conjoint. C'est l'organisme qui gère le programme MED dans lequel ce projet rural a été cofinancé. Premièrement, je voudrais remercier le pôle territorial de Barcelone qui m'a invité à participer aujourd'hui dans cet événement, mais aussi au chef du projet et à tous les partenaires pour le bon travail qu'ils ont fait et pour les bons résultats qu'ils ont obtenus. Et en même temps, je voulais profiter pour remercier la participation de ces institutions, ces représentants ici aujourd'hui, parce que ça montre l'appui que ces institutions veulent faire au projet et à tout ce qu'ils représentent.
Une tâche de secrétariat, c'est de faire les suivis et d'accompagner les projets dans leur mise en œuvre et de les aider à aboutir ces résultats et objectifs. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que parfois on a des questions administratives et réglementaires qui sont lourdes et compliquées et que aussi dans la situation des crises qu'on a aujourd'hui, pour beaucoup de partenaires, c'est facile d'y rester. C'est pour cela aussi qu'on veut remercier à tous les partenaires qui continuent à participer dans ces programmes et aussi inviter à tous les possibles partenaires qui ne connaissent pas les programmes ou qui aimeraient participer de nous connaître mieux et de connaître le bénéfice que ce programme peut les apporter. Le programme MET est un programme de coopération territoriale, est un programme financé par les fonds européens de développement régional dans lequel des régions européennes méditerranéennes participent ensemble pour aboutir pour résoudre des problèmes, des questions qu'ils ont en commun. Ils participent dans beaucoup de domaines comme l'innovation, la protection de l'environnement, les transports, mais aussi l'intégration de l'espace MED. Les programmes ont un budget fédéral de 193 millions d'euros et ils cofinancent 100 projets avec plus de 500 structures qui participent et qui sont placées dans plus de 30 régions européennes. L'objectif général du programme, c'est d'assurer la croissance et l'emploi pour les générations à venir en rendant l'espace MED plus compétitif. Pour cela, il est très important de renforcer les liens qui existent, qui n'existent pas ou qui sont très faibles entre les institutions européennes de l'espace, mais aussi de coordonner leurs politiques afin d'améliorer, d'agrandir l'impact de ce qu'ils font et de faire l'espace plus compétitif et d'y arriver à une cohésion plus forte. Les programmes ont établi 4 priorités, une desquelles est la promotion d'un développement polycentrique et intégré de l'espace MED. Ces priorités ont comme objectif favoriser la coordination transnationale des politiques de développement et d'améliorer la gouvernance entre les différents échelles territoriales, c'est-à-dire espace métropolitain, rural, local, mais aussi les îles et les différentes régions, et aussi, comme on a vu dans les projets ruraux, les territoires périurbains. Dans cette priorité dans laquelle le projet ruraux est cofinancé, il y a 15 projets avec un montant fédéral total de 19 millions d'euros. Ça montre l'importance que pour le programme, c'est cette priorité. En général, les objectifs de ces projets, c'est l'amélioration de la gouvernance dans plusieurs domaines, comme les paysages, la culture, le développement durable, et aussi, comme on a vu dans ces projets, la gouvernance alimentaire territoriale. Un des éléments caractéristiques de ce type de programme, c'est que les personnes qui participent, les structures qui participent, ont d'origines différentes. Ça fait le travail un peu plus compliqué. Parce que parfois, on n'a pas tous la même manière de travailler ou les mêmes points de vue par rapport à quelques questions. Mais c'est aussi que quand on arrive à travailler ensemble, les résultats qu'on aboutit, ils sont beaucoup plus meilleurs que ce qu'on aurait eu toutes seules. Et aussi, en général, l'expérience est toujours satisfaisante. Il faut dire que ce qu'on cherche aussi au sein du programme, c'est d'avoir des résultats qu'on a appelé transnational, c'est-à-dire, comme on a vu ici, chaque pôle territorial a fait beaucoup d'activités au centre de la région, mais aussi ils ont réussi à avoir des activités et même une charte transnationale qui a été signée pour tous les partenaires, qui montre qu'ils ont fait des travaux seuls, mais ils ont réussi aussi à faire des travaux ensemble, ce qui est très important et qui c'est une valeur ajoutée à les programmes et aux projets. Et aussi, le programme est maintenant très intéressé pour tous les résultats qui ont reçu des projets, et avec l'idée d'essayer de créer des synergies, des coopérations aussi entre les projets. Et on est
dans une initiative de capitalisation des projets qui est en deux phases, une première phase qui est une phase de clusterisation, c'est-à-dire on s'est dit, bon, les projets, ils appartiennent à une priorité, ils répondent à une priorité de l'espace, mais on va les réorganiser selon des différents thèmes et dimensions territoriales afin de qu'ils puissent travailler ensemble et de trouver d'autres résultats, de partager les résultats, de partager des idées et des manières de travailler. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, on va célébrer à Marseille une journée de capitalisation avec tous les projets, dont les projet global qui va participer. Et pour finalement, pour l'année prochaine, lancer un appel à projet de capitalisation afin de voir quelles activités on peut développer, quelles activités peuvent être développées pour les projets, afin de élargir l'impact du programme dans les différentes politiques locales, régionales, nationales et européennes. C'est une manière aussi de renforcer la position de l'espace maître par rapport au reste des espaces. Finalement aussi, avec cette procédure, ce qu'on veut faire aussi, c'est connaître l'avis de projets, des partenaires, qu'est-ce qu'ils attendent du programme, afin qu'ils puissent contribuer à la rédaction du futur programme maître pour la prochaine période. Alors, finalement, je voulais conclure en disant que je suis très contente avec ce que j'ai connu cette journée, avec le résultat que vous avez vu. On voit ici qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés avec tout ce qui a été fait par les projets. Et aussi, je suis très contente avec la participation et le support des autorités de décision dans ces projets, qui est très important parce que parfois on voit des projets qui font beaucoup de choses mais qui n'ont pas un report avec les autorités de décision. Et bon, finalement, vous encouragez à continuer à travailler ensemble, même si c'est sans les supports financiers du programme, à vous dire que j'espère que votre coopération va continuer dans l'avenir et que la charte transnationale que vous avez signée, ça puisse être partagé avec d'autres partenaires, avec d'autres institutions, et rejoindre, pourquoi pas, par d'autres structures de l'espace même, mais pourquoi pas avec d'autres structures européennes. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de plus d'informations par rapport au programme, on a une page web avec beaucoup d'informations, et on est toujours joignable. Merci beaucoup.